Hey, bonjour tout le monde, bonjour, bienvenue dans la zone jeu de société. On est le 20 décembre et c'est le calendrier de l'Avent mardi. J'espère que vous allez bien. J'ai pas beaucoup de temps aujourd'hui, je dois vous avouer, j'ai une soirée occupée. Faut bientôt que je fasse le souper pour mes enfants, faut que je me prépare pour une activité dont je ne peux pas vous parler. Et oui, qui a rapport avec la chaîne ou autre. Donc, écoutez, prenez pas ça mal, s'il vous plaît. J'aurais aimé ça vous parler de quelque chose parce que je suis quand même allé voir pour m'acheter l'extension de Dune Imperium Immortality. Mais malheureusement, j'ai pas été capable de le trouver dans le magasin de ma région. Donc, je vais attendre mon commanditaire, boutique de jeux La Pioche, pour me le procurer. Parce que j'avais envie de jouer à ça dans le temps des fêtes. Mais parce que je sais que mon ami JP est un peu occupé pour m'envoyer ça. Mais c'est pas grave. Alors, on est le 20 décembre. Allons-y ensemble. Alors, c'est écrit « Phew! Thankfully that worked out fine again. » Alors, une chance que ça a bien fonctionné. « You're very happy to be back in the snow-covered mountain village even if you are freezing again. » Alors, on est revenu dans ce magnifique village, même si maintenant il fait froid. Et puis bon, le froid, c'est peut-être moins de fun que dans les Caraïbes qu'on est allé cette semaine. « Your eyes feel awfully heavy now. » Alors, mes yeux sont j'imagine que je vais commencer de fatiguer. How long has it been since you last slept? Alors, ça a pris combien de temps avant que je dorme? You close your eyes only for a moment. Such a relief. Alors, on ferme nos yeux pour simplement quelques secondes. Que ça fait du bien. As you awake, you see a white rabbit with a golden pocket watch hopping in front of you. Alors, quand on se réveille, on voit un lapin blanc avec un... Bon, ça doit être Alice au Pays des Merveilles, j'imagine. Avec une montre de poche en or qui saute en avant de nous. From large to small, from large to small, from large... Donc, de gros au petit, de gros à petit. It shouts like a mantra and hops away. Alors, il n'arrête pas de crier ça. Il continue de sauter plus loin. What on earth? Mais qu'est-ce qui se passe? How tired are you? On est fatigué jusqu'à quel point? Je peux vous dire, moi, personnellement, que je suis pas pire fatigué. You rub your eyes, and when you open them again, a girl runs past in the direction of the rabbit. Alors, on se frotte les yeux, et lorsqu'on les ouvre encore, il y a une jeune fille qui passe devant nous en direction du fameux lapin. Alors, c'est effectivement Alice. You jump up in pursuit. Alors, on poursuit la jeune fille. The two run in the direction in which you want to go towards a distant door. Alors, les deux courent dans la direction que l'on veut aller vers une porte lointaine. However, the closer they get to the door, the smaller they seem to become. Alors, évidemment, plus proche qu'ils s'approchent de la porte, plus petits qu'on dirait qu'ils sont. In fact, they are noticeably shrinking. Alors, ils rapetissent tranquillement pas vite. Even the door toward which they are running is getting smaller and smaller. Alors, même la porte qu'ils sont en train de courir en direction devient plus petite et plus petite. Or, are you getting bigger? Ou c'est moi qui deviens plus gros. Hard to say, you ramp up your speed, but the two have a big head start, and then, in a flash, they jump through the tiny door and are gone. Alors, les deux ont sauté dans la petite porte et ils sont disparus. You finally reach the door, but it's now no bigger than a hole. Alors, on atteint la porte, mais c'est pas plus grand qu'un trou. And the hole is way too small to jump into. Alors, et le trou est beaucoup trop petit pour qu'on puisse sauter à l'intérieur. What are you supposed to do now? Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Are you supposed to follow the trail of the golden book? Alors, est-ce qu'on est supposé de suivre donc la voie du livre doré? Brute force surely won't help you here. Alors, la force ne nous servira à rien ici. The situation seems to require a touch of cleverness if you don't want to remain stuck in Wonderland forever. Alors, cette situation va nous prendre une certaine marque d'intelligence si on ne veut pas être pris dans Wonderland pour toujours. Alors, il faut ouvrir la porte numéro 20. Il n'y a pas de riddle card. Il n'y a pas de strange item. Alors, la porte numéro 20, elle est un peu spéciale parce que, d'après ce que je peux voir, ce n'est qu'un trou. Alors, c'est tout ce qu'il y a. C'est un trou. Alors, un beau trou. Eh là là, que ça va être difficile de vous présenter ce qu'il y a à l'intérieur. Même moi-même, je suis pas sûr que je vais être capable de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Eh boy. Bon, alors, je vais essayer de vous prendre une photo pour pouvoir vous le présenter. Là, je vais essayer, moi, de prendre une lumière pour que je puisse voir à l'intérieur.
OK. Donc, on voit le chat, on voit Alice. On voit. Il n'y a rien, hein? OK. Là, ça c'est. Seigneur. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il faut que je fasse quelque chose avec le trou. Il y a comme. Ah, à moins que ce soit un 8. Est-ce que je vois les chiffres? Ah. Ouais, 2. C'est 2. OK, je pense que je l'ai. Oh là là, je pense que juste par le toucher. Je pense que c'est 2, 4, 8. Oh mon Dieu. Ça, c'est pas évident de le trouver. Eh Seigneur. À moins que ce soit 1. Je pense que c'est juste un 1 ici. 2, 1, 8. OK, j'essaie ça. J'essaie ça. 2, 1, 8. Parce qu'il y a comme, des chiffres sur les murs. Bon, puis je pense qu'en y touchant, on devrait être capable de peut-être les. Être capable de les reconnaître. Là, j'essaie de trouver mon. OK. Alors là, j'y vais comme ça, mais je suis pas sûr que je l'ai. Là, je fais vraiment là. 2, 1, 8. Non, déjà là, ça marche pas. Là, il y a peut-être des affaires pour m'aider à savoir lequel qui est le premier, lequel qui est le premier, lequel qui est le deuxième. Là, aujourd'hui, c'est pas. C'est définitivement pas pour vous. Hein? Bon, ça, c'est définitivement un 8. Moins que. Et comment je peux savoir c'est quoi les couleurs? OK. Eh là là. C'est pas évident. C'est vraiment pas évident. OK, attendez. From large to small. From large to small. Voilà. J'ai dit 2, 1, 8, alors ça va être 8, 2 et 1. 8, 2, 1. Voilà. Alors, je suis là. Je descends. Je m'en vais là. Je m'en vais là. Est-ce que c'est losange, hexagone, losange? Eh oui! Eh oui! Encore une... Oui, j'ai réussi à le trouver. Alors, 21. Et là, évidemment, ça va être très, très difficile de vous présenter l'intérieur. Je vais faire ce que je peux. C'est très cool le concept d'avoir fait un trou pour faire comme faire comme dans Alice au Pays des Merveilles. C'était peut-être un peu simple. On dirait, là, je dois vous avouer, que c'est de plus en plus simple ou c'est moi qui commence à avoir le cerveau pour ça. Je dis pas que je deviens plus intelligent, c'est pas ça que je veux dire, mais peut-être que j'ai commencé à peut-être un peu plus comprendre comment ça fonctionne, mais j'ai réussi à le trouver, puis il me semble que j'y trouve de plus en plus facilement. En tout cas, le 21 demain, c'est là. Alors, j'espère que vous avez apprécié. Ça va encore avoir été court, mais efficace. Alors, quand c'est court et efficace, on aime ça. Alors, merci beaucoup tout le monde. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Allez voir mon Facebook, mon Instagram, mon Discord. Allez faire un petit tour chez mon commanditaire Boutique de jeux La Pioche au www.boutiquelapioche.com. Allez faire également un petit tour sur ma campagne Patreon. Et d'ici la prochaine fois, demain, où je vais être encore plus pressé demain, je dois vous dire, parce que j'ai beaucoup de route. Parce qu'il faut encore que j'aille aider ma mère pour jeudi. Mais en tout cas, d'ici à demain, amusez-vous avec vos jeux de société. Et nous, on va se revoir très bientôt. Allez, bye bye tout le monde.